Alors moi, je suis dans le business depuis l'âge de 25 ans, donc aujourd'hui j'en ai 45. Et j'ai toujours été à mon compte pratiquement tout le temps. Donc ça fait partie des gènes un peu dans ma famille. Hein. Mon père était entrepreneur, mes grands-parents aussi. Donc on a ça dans le sang, je crois. Sauf que moi, ça s'est passé différemment. En 2010, je suis tombé malade et je me suis retrouvé en situation de handicap. Et à ce moment-là, on m'a même conseillé d'arrêter mon activité d'entrepreneur parce que visiblement, ce n'était pas compatible. Donc, après le coup de massue, j'ai plutôt mis les bouchées doubles et j'ai développé mon entreprise fortement, ce qui fait qu'on a eu une très très grosse croissance, jusqu'à 60% de croissance par an. Donc voilà. Donc pour quelqu'un qui ne pouvait pas, je trouve que c'était pas trop mal, effectivement. Et dernièrement, on est reparti pour une croissance encore amplifiée, mais j'ai dû faire appel aux banques pour pouvoir développer mon entreprise. Et comme on avait des bons résultats, les banques nous suivaient globalement, sauf que je ne pouvais pas avoir d'assurance, personne ne me couvrait, donc j'ai eu 12 refus d'assurance.